Et voilà, je suis bien arrivée à Paris. Maintenant, je vais aller me faire mes sourcils au boulevard du Regard. Là, je nettoie le sourcil. En fait, je vais dégraisser un peu la peau. Donc, le bureau d'après-midi. Ça, c'est les différentes poudres qu'on a avec les différentes couleurs. Là, sa petite boîte de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de petite aiguille, mais qui rentre dans la peau. Le petit godet, on fait notre mélange. Ça, c'est un petit mélange d'huile essentielle en fait qui va permettre de nettoyer la peau. Puis ça, ça va être tous nos produits pour faire le mélange. Donc quand on l'éteint, on ne voit quasiment rien. Permanent, mais on rentre pas dans la peau, on reste vraiment en surface de la peau. On sait que j'ai signé des poils, on est pas si ça. Ça dure combien de temps? Ça va durer à peu près 2 semaines. Qu'est-ce que tu produiras dessus? On va pas les mouiller aujourd'hui. Évitez de trop frotter dessus hein, parce que plus vous allez frotter, plus ça va partir. J'inclus ce petit passage dans la vidéo. Là, en fait, on est 5 jours après le beau perfect. Et regardez, il n'y a déjà presque plus rien. Donc, à savoir que c'est quand même un maquillage qui est censé durer 15 jours. Moi, clairement, ça n'aura pas fait 5 jours. Là, ça fait comme des petites croûtes. Ça fait assez sale et là j'ai qu'une envie, c'est de m'en débarrasser. Le prix de cette prestation coûte quand même 90€ et 60€ juste pour faire la queue de sourcils. En fait, c'est bien, mais pas pour ceux qui font du sport régulièrement comme moi, 5 fois par semaine. Donc forcément, je transpire beaucoup, je suis obligée de bien frotter ma peau, de mouiller mes sourcils. Et je pense que c'est à cause de ça que ça n'a pas tenu, mais honnêtement, 90€ pour que ça tienne même pas 5 jours, je trouve ça un peu abusé. Je vois le prix que ça coûte 90€ pour faire ça, bah je me dis qu'autant faire une micropigmentation à 200€, comme ça on est tranquille pour 3 mois, parce que là, 90€ et ça dure même pas 5 jours. Et maintenant, je vais aller faire mes ongles. Et bien sûr, il flotte et j'ai pas pris de parapluie, c'est super. Je crois que je suis la seule blogueuse à pas prendre le Uber. Non, non, moi je prends le métro.
bien un joli smoking, j'aime bien le voir. C'est qu'il y a du choix. Voilà, elle a craqué les filles. Les 3 minutes existent dans d'autres gammes. Ça sent bon ça. Thank you.
sage comme ça. Pardon ? Je fais sage d'un coup. Ben oui. Albé est connu pour ses boissons moléchiques. Depuis 2013, on s'est lancé sur le segment des dentifrices, et notamment l'année dernière sur les agents des blancheurs. Et là, cette année, on innove en vous présentant en fait la combinaison, l'effet que peut donner la combinaison de la brosse à dents lacrymo plus le dentifrice, plus le bain de bouche oral. On vous incite à utiliser tous les produits. Bon alors vous avez compris, il faut boire que de l'eau, hein. Sinon ça fait des taches. Et le coca, ça fait ça. Et voilà.